on veut que la peur change de camp, puisque pour nous, on a décidé et mis en place un processus d'action collective. Tous nos adhérents, depuis lundi soir, ont un courrier qui doit nous être adressé et rempli sur le montant de leur perte d'exploitation, puisque l'UMI attaque les assureurs. Les avocats sont en route. Et avec un deuxième temps, aller chercher une marque blanche pour une assurance n'importe où ailleurs pour l'ensemble des cafés, hôtels, restaurants, discothèques, parce qu'à un moment donné, chacun doit faire face à ses responsabilités et pas nous traiter avec des involtures comme on a été traité jusqu'à présent. Et on demande aussi au pouvoir politique de pouvoir assumer, c'est-à-dire que on nous avait dit que on viendrait légiférer s'il n'y avait pas de terrain d'entente. Il n'y a pas eu de terrain d'entente parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Donc que les choses soient claires, on ne peut pas nous traiter de cette façon-là. Donc on va faire face à la justice de façon à ce que nos professionnels soient indemnisés de leur perte d'exploitation pour lesquelles ils payent.